Chers téléspectateurs, salut, vous êtes en direct de votre chaîne Assez Officiel TV, chaîne qui vous informe sur les différentes réalisations de l'entreprise du fils du pays Adi Construct Sarles. Et là, nous vous présentons l'évolution des travaux de construction de la route Elengisa qui a juste fait jonction avec les avenues Kinkosi-Moussoni. Pour la partie restante, l'entreprise procède par le talage de matériaux, nivellement de la couche, construction des murs et des soutènements pour des maisons en porte-à-faux et travaux de finition de la traversée. Vous allez également suivre l'intervention de l'ingénieur topographe de l'entreprise. Adi Construct Sarles, la qualité, la précision et l'exactitude. Suivez avec nous et vous ne serez pas déçus. Thank you.
Bonjour, cher ingénieur. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes topographe chez Adi Construct Arles. Et là, nous sommes en train de travailler sur le projet Elengesa. Comment évoluent ces travaux sur Elengesa? Oui, les travaux évoluent tels que prévu. Et là, nous courons petit à petit vers la fin de nos travaux. Nous sommes presque à 4 mètres de la sortie. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de, comme vous le voyez, les travaux évoluent vraiment dans le prévision. C'est vrai que les imprévus ne manquent pas, mais nous évoluons vraiment jusqu'à tous les marchés. C'est vrai, le travaux Elengesa, réellement, ça fait jonction entre Avenue Kinkosi et Moussoni. Et là, précisément, nous sommes sur Moussoni vers Bypass. Quels sont les travaux qui sont en train d'être effectués aujourd'hui? Bon, comme vous le voyez vous-même, nous sommes en train de continuer d'arranger la traversée qui est exécutée d'abord. Et nous sommes en train de faire l'étalage de matériaux pour préparer ou mettre la plateforme à recevoir la dernière couche qui est désenrobée. C'est quoi alors le rôle de la traversée? La traversée, on appelle ça les ouvrages des traversées. Pourquoi? Parce que ça coupe une route. Et comme vous savez, nous sommes vers Bypass. Et à cet endroit précis, nous sommes presque à 80 mètres de Bypass. Pourquoi nous avons fait traverser les eaux à gauche de la position? Parce qu'en fait, la pente, le sens d'écoulement des eaux de Bypass va de haut vers le bas, donc de droite à gauche. Bon, si nous continuons à amener nos ouvrages d'assainissement à droite, nous aurons des problèmes là-bas pour faire passer les eaux vers la gauche. C'est pourquoi nous avons prévu une traversée à quelques mètres de Bypass pour ramener déjà les eaux qui sont à droite pour les ramener à la gauche. C'est d'ailleurs ça. Ça va aussi nous permettre de prendre en compte parce que nous avons des ouvrages ici. Il y a la chaussée qui sera souple avant là où on est en train de faire les aménagements. Et après la traversée, il y a la chaussée qui sera rigide. Alors, cet ouvrage permet de faire cette différence, cette séparation entre la chaussée souple et la chaussée rigide. Mais cela n'est pas vraiment son rôle précis. Son premier rôle le plus important, c'est de faire traverser les eaux sous une route. Alors, comme nous savons que la route a pour ennemi premier d'abord l'eau, parce que l'eau peut endommager la route. Alors, il faut prendre des bonnes dispositions pour faire rapidement couler les eaux sur la pour que la chaussée ne puisse pas recevoir beaucoup d'eau, rapidement le faire évacuer. Et pour le faire évacuer avec des normes, il faut chaque fois prévoir des traversées pour amener les eaux d'un endroit, d'une partie de la chaussée vers l'autre partie. C'est ça d'abord son premier rôle le plus important. Beaucoup de gens ne croyaient pas que Ali Construct Arles pouvait, n'est-ce pas, finir ses travaux. Aujourd'hui, à 80, n'est-ce pas, 80 mètres de sortie de la route, c'est que les travaux sont presque à la fin. Un mot pour l'entreprise Ali Construct Arles. Notre entreprise Ali Construct Arles a vraiment le souci de construire son pays. Tout comme tous les ingénieurs qui font partie de cette entreprise, même le numéro 1 de l'entreprise a pour souci de donner le meilleur de lui pour que notre pays soit bâti. Et donc, nous faisons tous les efforts là, consentis ensemble, comme c'est une même famille, ce sont les Congolais qui nous concernent, nous-mêmes, notre pays. Nous voulons faire des travaux qui doivent durer longtemps. Et ça sera aussi une bonne image pour nous-mêmes, l'entreprise, mais aussi pour notre pays qui dira, voilà, le fils du pays, on fait quelque chose qui a duré. Voilà pourquoi nous jetons de fleurs à notre entreprise, parce que ça prend toutes les dispositions en place pour que les travaux soient bien exécutés. Afin que nous puissions aussi, bien entendu, gagner d'autres marchés. Parce que l'important, ce n'est pas de travailler et de laisser, mais l'important, c'est de continuer à bâtir notre pays avec plusieurs marchés qui nous arrivent aussi. Donc, pour les chapeaux de notre entreprise, et nous voulons continuer à faire ça. Et nous pensons que notre pays pourra embellir notre image avec les fils du pays. Il y a beaucoup d'encouragements pour l'entreprise Ali Construct Arles. Est-ce que vous respectez les normes internationales sur tout ce que vous effectuez comme travaux? Je dirais que la technique ne change pas, les normes restent les mêmes, et même les études de génie civil restent des génies civils. Et je vous dirais aussi que l'entreprise a dit qu'on ne travaille pas seul, nous sommes toujours accompagnés avec des experts que le gouvernement envoie, qui sont des bureaux de contrôle renommés et reconnus. Si l'entreprise ne fait pas bien exécuter son travail, le bureau technique qui sont là pour surveiller les travaux, pour contrôler les travaux, nous dirons que non, n'est pas dans les normes. Donc, nous ne travaillons pas avec les vagues, on ne vous laisse pas nous seuls travailler, non. Nous sommes en train de travailler dans les normes, en respectant tout ce que nous avons appris, tout ce qui est technique, tout ce qui est ingénie, la génie civile, c'est ce que nous respectons. Donc, nous sommes vraiment dans les normes. D'ailleurs, vous verrez, nous sommes ensemble avec vous, c'est notre pays,
vous verrez comment les gens vont apprécier cette route qui va terminer, qui va aussi durer longtemps, parce que nous le faisons avec les normes. C'est vrai, l'année contre Sarle, c'est le respect des normes. Ouais. Un mot juste pour les entrepreneurs ou bien le client qui pourront, n'est-ce pas, accepter de donner les travaux à l'entreprise année contre Sarle. Je leur dirais de ne pas hésiter et je leur dirais aussi, la personne qui connaît mieux la maison, c'est le fils du pays, c'est celui qui habite cette maison-là. Nous sommes les Congolais, nous connaissons nos pays, nous connaissons comment nous vivons dans notre pays. Et il y a certains critères techniques que nous tenons en compte, que beaucoup des entreprises étrangères ne tiennent pas en compte. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre pays, nous connaissons la mentalité congolaise, alors nous faisons tout possible pour faire des travaux qui vont durer par rapport à cette mentalité congolaise. Voilà pourquoi je leur dirais de ne pas hésiter, de contacter Adi Construite pour leurs différents travaux de génie civil, et ils ne seront jamais déçus. Merci cher ingénieur. C'est moi qui vous remercie.